Hey, y'a plein, bienvenue sur stream. Allez, découverte aujourd'hui de Hunter Girls. C'est un jeu qu'on a eu sur le curateur Steam. Ça a l'air d'être du runner en fait. Donc, l'idée en fait, c'est qu'on va jouer trois héroïnes qui partent délivrer un prince. Chacune a des pouvoirs spécifiques. Donc, apparemment, il y en a une qui peut bloquer les projectiles, l'autre qui a de la magie, choses comme ça. On va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout si c'est bien. Oula, voilà, un peu pété comme un coin, genre là, quand même. Ouais, donc en gros, leur roi est mort et le prince a été kidnappé, quoi. Ok, donc elle veut une nouvelle épée, papapam. Ok, hop là, to jump press, space bar. Donc espace pour sauter, et C pour... Ok. Ah! Oui, quand même. J'étais avec j'avais le... Ah mais d'accord, oui ok. Attends, il faut un timing précis en fait. D'accord, ouais, j'ai plus que 12 de bouclier quoi. Yo, Chano! Eh, ça va toi? Ouais, ça va être pénible. Hein. J'étais sur le jeu qu'on a reçu sur le curateur. Je disais, j'ai aucune idée de s'il est bien ou pas. Merde, je suis gros de bouton. Bravo. Et toi, Tcherno, comment ça? Au fil du week-end hein. Ok, donc là, a priori, on va délivrer la deuxième héroïne. Nouveau Crossing Goblins, presque. Non, là, c'est vraiment du runner, en fait. En gros, elle avance toute seule. Du coup, avec la première, en fait, on peut juste sauter et bloquer avec le bouclier. Et après, il va y avoir deux autres héroïnes qui vont être greffées à l'équipe pour faire d'autres pouvoirs, voilà. Donc, elle, par exemple, elle peut tirer avec X. Mais j'avoue que les sauts ils sont pas évidents quoi. Ouais voilà, genre là ça va être trop lourd en fait. C'est court. Hein. Elle va tomber le train évidemment. Je suis pas certain que c'était vraiment la meilleure solution possible de faire des sauts précis sur un runner, quoi. Ah, il fait que je lance deux flashs, lui. Ok, bon, bah j'ai plus de flash. Ah, Yoku's Island, il est excellent. Ouais, c'est vraiment un jeu que j'avais adoré, moi, à la sortie. D'ailleurs, je l'ai refait il n'y a pas longtemps parce que je l'ai pas en vidéo, en fait. C'est à l'époque, je sais plus pourquoi je l'ai pas. Ah, mais non, mais en fait, faut que je le bute, lui. Faut que je le quiche aussi. Puis je le bloque. Puis je le tue. Merde. Ouais, mais vraiment, Yoku's Island, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, ouais. Un petit côté feel good qui est super plaisant quoi. Ah bah non, mais en fait faut que je bloque et que je balance une flash. On va y arriver.
Voilà, ma débilité, c'est compliqué. Merde. Ouais, Sword, il est vraiment cool aussi. Ouais. Il me semble qu'on a reçu une clé à GSS, mais je sais plus qui s'en occupe. Ouais, clairement, j'avais pas le temps. Par contre, j'ai récupéré le dernier Life is Strange, là, je le commence demain soir. Et j'avoue que j'ai bien hâte. Ah, c'est pénible ça. Ce serait mieux que ça. Ouais, c'est comme je dis, hein, c'est un jeu qu'on a récupéré sur le curateur. Hein. Je voulais voir ça donner. Je trouvais ça rigolo l'idée d'avoir un runner avec des personnages. Merde, ah, je vais tomber. Non, ça va. Ok, donc là on va récupérer le troisième personnage. Je vais mettre des blocs de texte, quoi. Sans déconner, qui va lire ça, quoi? Le jeu, c'est un renard, ils te font péter des pavés complets pour t'expliquer le truc, quoi. Alors qu'à la base, hein, c'est vraiment juste trois filles qui vont sauver un prince, quoi. Alors. Donc là, je peux mettre de l'invulnérabilité avec Exod. Merde, mais j'ai pas pu. Y'a le crime. Je vais le cacher, il lance une flèche aussi, lui. Franchement, je me plaignais pour Gric au départ que les persos étaient mal synchronisés, mais là. Là, c'est une purge. Ah, j'ai pris un curateur. Bah, l'idée elle me paraissait bonne sur le papier, mais. Et je t'avoue que je pensais pas que les persos seraient autant. Oh, j'ai. Oh merde. Oh, tant pis. Je sais pas qu'ils seraient autant séparés, quoi. Cela, du coup. Que je tire direct en fait. Je tire direct, il peut pas me toucher. Ah, t'as les deux dans. Ouais.
Ok, heureux, désolé. Ouais, bah pareil, moi je me suis dit, je t'avoue que c'est rare que les jeux d'un curateur ils me fassent de live. Celui-là, je le trouvais plutôt cool sur le papier. Après, honnêtement, Merde, elle est tombée là. Putain. Mais là, elle est. En fait, ils. Voilà, c'est comme Grey, quoi, ils font. Ils sont tous coordonnés, mais ils ont. Le truc, c'est que là, ils ont un peu fait des plateformes qui sont au poil de fion, quoi. Donc, il aurait fallu qu'ils soient un peu plus resserrés, je pense. Ah, du coup, là, il a pas pris le saut en compte, soit il était encore dans les airs. Ouais, donc là on est vraiment obligé de sauter en fait, il n'y a pas de. Parce qu'il disait que le magicien machin il peut mourir qu'avec de la magie, mais j'ai pas encore le. Merde! Ah bah là. C'est vrai que la boucle à chaque fois, ça. La boucle se relance dès que tu meurs, quoi. Yes. Et du coup, d'après le petit logo de ma barre de tâches, il est fait que Construct 3, le jeu. Le truc, c'est qu'il est pas ultra fluide, en fait. Hein. Et surtout, le problème, ouais, c'est vraiment les plateformes, quoi. Le truc avec des plateformes au poil de fion, alors que les trois persos sont écartés les uns des autres. Ouais, c'était obligé de regarder les trois, en fait. Tu peux pas. C'est pas parce que t'en as un qui passe que les trois passent, en fait, quoi. Merde, je me suis voit de touche. Oh là là, ah, c'est mort ça. Ouais, du coup, la semaine à venir, hein, donc il y aura le nouveau Life is Strange et puis du Diablo 2 Resurrected, hein, évidemment. Bon, je vais pas vous mentir, ça commence déjà à m'agacer là. Ouais, franchement, c'est une bonne semaine, c'est cool, hein. Je suis bien content là pour le petit Diablo 2 Resurrected. Et Life is Strange, ouais, je suis vraiment impatient de voir. Alors c'est un peu triste parce que je me mettrai en mode streamer évidemment et du coup il y a des. Je sais déjà qu'il y a des endroits où il n'y aura pas de musique à cause
à cause du DMCA, mais bon. Oh là là. Merde, j'ai lancé trop. Ah, je vais plus avoir de flash, je vais me faire fumer. C'est sûr. C'est bon pour une fois que ça marchait, là. Ah, t'étonnes quoi s'il est génial, là. Il est génial, là. Si, le jeu est excellent. Il est super long, en plus, hein. Franchement, rien que Titan Quest avec Immortal Throne, donc ce qu'il y a dans l'édition anniversaire, il y a déjà un sacré paquet d'heures de jeu, quoi. Yes. Changement de musique. Ah, ils vont arrêter, évidemment. Ah, tu le préfères Gamdon? Ah, pas moi, quand même. En fait, le truc, c'est que moi, en fait, c'était déjà le cas à l'époque. Je suis pas fan de... Merde, je suis pas fan de mythologie, en fait. Et du coup, c'est un des trucs qui m'est pas plus accroché plus que ça à l'époque, quand il était sorti Titan Quest. J'y ai beaucoup joué, hein, évidemment. Mais... Et du coup, je préfère l'ambiance de Grimdon. Wouah! Anya spawn le potion, le Trister Sword, and now you can use it. Attaque le Sword. Non mais il commence à avoir trop de touches là pour un runner là. Ouais, mais je comprends tout à fait. Surtout qu'en plus, après, c'est un reproche d'ailleurs qu'on avait fait avec. Et t'es assez d'accord avec moi, t'as ça pour ça. C'est Grimdon, en fait. Tu te sens pas trop impliqué dans le monde. Limite, tu sais pas trop où t'en es. Limite, tu sais pas trop où t'en es dans. Enfin, je trouve c'est. T'as pas la sensation vraiment de progresser d'acte par acte. Des fois, la transition entre les actes, t'as même pas trop l'impression d'avoir fini un gros truc. Enfin, c'est. T'as chassé les filles, elle va être contente de ta femme. Et c'est vrai, quoi, du coup, l'ambiance générale de Grimdon, j'aime bien. Mais tu sens pas trop la quête, en fait. C'est assez étrange, quoi. La chatte qu'il a. Oh mais s'il te plaît, fais des efforts quoi. Vas-y, Nicta. Pardon. C'est un runner en fait. Au début, tu commences avec une seule héroïne. Et petit à petit, elle a d'autres qui se greffent. Donc là, elle court automatiquement. La première, elle peut mettre son bouclier pour rajouter des projectiles, mettre des coups d'épée. La deuxième peut tirer à l'arc. La dernière, elle peut me rendre invincible, en fait. C'est une mago. Et t'as des jauges en bas. Donc à chaque fois que j'utilise une action, ça vide un peu la jauge. Donc il faut... voilà, il faut... Voilà.
Et je peux juste faire barre d'espace pour sauter. Dans ce cas-là, les trois, elles sautent. Merde, je suis bourré de touches. Et sur le papier, ça me paraissait cool, mais le truc, c'est qu'elles sont vachement écartées, les filles. C'est souvent que, du coup... C'est souvent, du coup, qu'elles tombent. Enfin, vu que t'as beaucoup de plateformes, c'est pas... Ah merde, en fait, je vais mettre un coup d'épée, lui. Non, c'est pas évident, là. Mais dès les premiers niveaux, en plus, hein, vraiment, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de transition à... Tu vois, là, par exemple, elle a pas réussi à accrocher la plateforme, quoi. Ghost Runner. Non, j'ai pas essayé, non. C'est celui, un peu à la Warframe, on va dire, hein. Mais j'aime pas les parcours en vue première personne en fait. D'ailleurs à l'époque c'est pour ça que j'avais pas joué plus que ça à Mirror's Edge parce que ça... Mais putain mes coups sautent! Parce que en fait ça me fait vite pareil, hein, vite mal à la tête en fait. C'est pas un truc que je trouve agréable quoi. J'ai du mal à bien estimer les distances... Ah, c'est chiant, elle devrait pas tomber quoi. C'est non, Mirror's Edge, moi je suis enfin, je suis convaincu que le jeu est excellent, mais je sais pas à l'aise avec ce type de jeu en fait, avec cette vue là. Et que voilà, il y a encore une qui a raté là. Non, ça va. En fait, je perds surtout parce que bah, celle se vôtre, hein, ce qui est assez pénible, quoi. Ok, incroyable. Genre, ça passe travers ses pieds. Oh, moi j'aime bien la DA, ça va. La musique, ça va, mais le truc, c'est qu'à chaque fois que tu meurs, ça... Ça reset la boucle et là pourquoi il l'a... Par contre je vais lancer une flèche de trop donc à mon avis je vais... Oh ça va être trop court, non ça va, ça passe. Mais sérieusement mettre autant de plateformes sur un jeu ou... Ok. Bam, mur de texte. Depuis le début, c'est ça. Depuis le début, t'as rien et d'un coup, boum. Un truc, vas-y, allez. Lis ces 5 chapitres. Oh la vache, non mais sans déconner, c'est un renard quoi. Pourquoi? Ah, changement de décor. J'ai moi. Hein. J'aime pas comment... Ah, peut-être que je peux le buter avec, avec Micheline, vu que... Le temps qui... Ah ouais, ok.
par Rome. Rome est le chaudron magique. Du coup, il y a un petit côté puzzle game dans le sens où voilà, il faut que tu apprennes par cœur ce que tu es censé faire et puis l'appliquer quoi. It's dungeon, you'll be followed by Jane's Cotton Hand. Maintenant, il faut que j'esquive la main qui va. Oh la vache. Ah, en excellent renard, il y a eu le. Le Super Meat Boy là. Le runner Super Meat Boy, il est incroyable, vraiment. Il est vraiment excellent. T'avais la main, je l'ai pas vu. Ouais, Super Meat Boy Forever. Ouais, nous on fait. C'est quoi? Vérifierai tout à l'heure. Mais franchement, Super Meat Boy Forever, il était vraiment vraiment bon. Et il se renouvelle en permanence. Hein, c'est. En fait, ils ont fait un taf incroyable parce que t'as pas beaucoup de touches et pourtant c'est ultra varié les. Les phases de jeu. Speed Brawl, j'ai pas testé encore. Je sais pas du tout en fait ce que c'est exactement Speed Brawl. J'ai l'impression que c'est une sorte de runner platformer, je sais pas trop. Ouais. Press A to shoot a magic ball. Ouais, non, mais là, il y a au moment, faut arrêter avec les touches, quoi. Là, on en est à 6 touches, là. 5 touches. Ouais, d'ailleurs, on va arrêter tout court parce que. Bon, bon c'est vite, c'est sympa, vite fait, quoi. Ouais, du coup, Hunter's Girl, bon, voilà. Je trouve qu'en gros, il est trop. C'est trop punitif au niveau des sauts pour être un bon runner, quoi. C'est dès le début en fait. À la limite, qu'il soit vraiment plus tard dans le jeu, qu'il fallait faire des sauts au poil de chien et tout, pourquoi pas. Mais je trouve que là, dès le début, les plateformes sont pénibles, quoi. Et le fait que les trois héroïnes soient vraiment bien écartées les unes des autres, ça facilite vraiment pas le délire, quoi. Je sais pas combien il y a de. Combien il y a de niveaux. Après, le jeu il est pas désagréable, hein, mais je trouve vraiment que c'est trop précis et que le jeu il propose pas cette précision, quoi. Bon, allez, du coup, tac, ça va. Arrête.